Avec l'égrégore de la géomancie. Lorsqu'il est établi, je le donne rapidement et intégralement. Pendant ce temps où je dépiste les figures et où je déduis ce qui se passe, je ne peux pas vous laisser me poser des questions parce que chaque figure me entraîne vers une autre. Par contre, quand on a tout fini ensemble, fini, après je m'en fous. D'accord. On peut recopier et reparler de ça sans que je sois en train de chercher. D'accord, vous n'inquiétez pas. Vous pourrez prendre note de tout ce que vous voulez. Prenons maintenant, j'ai des questions. Quel est votre prénom? Carole. C-A-R-O. L-E. Je passe la mine dans le taille du crayon. Je comprends la mine est cousue, mes mains le sont également. Maintenant, toutes les deux, bon, je vais vous poser une question. Avez-vous un chéri? Bon. Un travail? Oui. C'est parfait. Les enfants? Oui. C'est parfait. Et on va partir maintenant. Pourquoi est-ce que vous voulez un thème? Pour savoir un peu les choses. Pour savoir si l'invisible me dit des choses que je... D'accord. C'est génial. Pour me confirmer, voilà. Bon, on se concentre toutes les deux. Soyez gentils. Tenez ici un peu parce que ça glisse là. Avec cette main-là, parce que c'est là j'en ai besoin. J'aime bien qu'on reste ensemble. Toutes les deux pendant que j'interroge, d'accord? Et je vais faire les tracés, les traits. Je demande qu'ils soient ceux de Carole, pour Carole. C'est bien votre vrai prénom. Allez, on reste ensemble. Carole pour Carole. C'est quatre couplets, c'est pas des refrains, du moins j'espère. Et maintenant je vais essayer de sortir de ces traits les figures de géomancie. Si nous étions en Afrique, ça n'existe pas ça. C'est avec la main, il touche la terre d'une certaine manière, et les figures de géomancie que nous allons trouver ici, ils les sortent également. D'accord. D'accord ? Vous me tenez ça, pour ça m'arrange. Oui, oui. Merci. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 et 15. 11. C'est pas du tout de la numérologie, hein. Je compte les chiffres, c'est tout. Il faut savoir que la géomancie, ça ne dure qu'un instant. Il y en a dans un thème comme on fait, et en plus dans un salon, 4-5 mois. Et que cette géomancie qui va donner un aspect prédictif, finalement, elle répond au déterminisme que nous donne la théorie cosmique de la géomancie, qui tient compte du déterminisme de l'être humain à l'instant précis où on travaille toutes les deux. Hein, la théorie du moment cosmique.
avec si peu de libre arbitre. Oui, on est bien d'accord. Eh ben voilà, on continue. Tenez bien la feuille. L'homme fait des plans, je rigole. Voilà, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10. 14. 15. Vous voulez tirer un instant ? Merci. Encore un peu. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Voilà. Maintenant, je vais vous les donner en figure géomantique. 1, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2, 1. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2, 2. On cherche quelque chose. Puisque je vous ai parlé de la théorie du moment cosmique, il y a un livre qui vient de sortir. Papa ? Où est le livre bleu pour la théorie du mouvement cosmique pour M. Albron ? Je ne l'ai plus, là. Eh bien, voilà. Il vient d'être acheté à l'instant. Là, mais qui c'est qu'il l'a ? Je vois ça. Dans une seconde. Alors, je vais noter ça. 1, 1, 2, 2. Vous allez voir ce que c'est. Ce sont les quatre mères. C'est comme au jeu des osselets. Il y a les quatre dessins des osselets. Et avec quatre osselets, on peut faire des parties. Oui. Mais là, on en fait un petit peu plus. 2, 1, 2, 2. Ensuite, 1, 2, 2, 1. Voilà. Vous voyez ça, géomancie ultime révélation. Ce sont les travaux de Pierre Vincent Piob qui montre exactement le peu de liberté que nous avons et le déterminisme qui peut induire le comportement des uns et des autres. Ce livre comporte la totalité de cette version de Pierre Vincent Piob qui n'avait jamais été révélée dans sa totalité. J'ai le droit, et j'ai eu le droit de le faire. Il complète, alors il est édité par Cosmogone, mais il complète Géomancie, la Terre vous parle, qui est la deuxième édition du livre que vous avez d'ailleurs. Hein? C'est une merveille, je suis contente comme tout. Je continue de monter le thème, là, 3, et ici, 1, 1, 1, 2. Et maintenant, nous allons chercher les filles, les nièces, les filles, les nièces et les témoins. Après, lorsque j'aurai fini et d'accord, que je vous raconte tout, si vous faites ça là, ça m'enlève ma déduction. Je prends les têtes, après je prendrai le cœur poumon, ensuite le ventre et ensuite les pieds. Sachez, rappelez-vous que en haut c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Les éléments qui sont, comme vous m'avez dit tout à l'heure quand on a parlé, cinquième élément, il est ailleurs, il est fait tous. C'est comme vous avez dit, la tête. Je prends la tête. 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 1. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Une seconde. Très bien, très bien. 2, 2, 1, 2. Voilà, maintenant je fais 1, 2, 2. Oh, que c'est joli. C'est joli. 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 2. Bien. Et 2, 2, 1, 1.
je prends les témoins. Vous savez ce que c'est les témoins? Non. Parce que j'ai votre livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Les témoins, on sait ce que c'est. Oui. Prenez quatre personnes qui voient la même chose. Oui. Alors, chacun aura sa version. Chacun aura son film. Voilà. Bravo. Et ça, vous en parlez donc dans votre livre des témoins, tout ça, vous expliquez tout. Oui. D'accord. Bien sûr. Et ici, je regarde le juge suprême. Je prends le juge ici où on nous dit nouveauté, on nous dit perte, qui veut dire renouveau. Oui. Vous lâchez quelque chose, vous avez là un nouveau chemin qui est marqué. Oui. Et quelque chose qui vous tient à cœur, ça va commencer. Je vais demander quelque chose. 2, 1, 1, 2. Ce changement est voulu par ce qu'on appelle le juge suprême. On a conjonction. Vous êtes arrivé, avec tout ce que vous faites, à pouvoir laisser de côté ce qui vous semble moins utile pour aller de l'avant dans le perfectionnement que vous montrez ici par cette figure de géomancie qui est la joie. Vous vivez la joie dans la spiritualité. C'est pas moi qui le dis, c'est votre thème. Je prends le thème. Vous voyez, bon, aujourd'hui c'est bien gentil, on a petite fortune, c'est bien, c'est une personne généreuse pour laquelle on peut compter. L'argent, ce serait pas plus mal si c'était mieux. Hein. Oui, mais ils le disent, hein, de toute façon. Ensuite, vous avez quelques amis proches, peu. Très peu, et vous vivez quelque chose de très difficile au niveau de votre foyer. J'arrête avec ça, hein, mais c'est clair, je le vois là, je commence à avoir ras-le-bol. Votre projet d'aller de l'avant se présente tout à fait bien, et en même temps, ce qu'il y a de joli, c'est ce que je viens de vous dire, mais quand même, vous allez faire des choses avec beaucoup de beauté et d'esthétique. On a besoin de ça. Hein? C'est le sel de la vie, ça. Pas dire déception sentimentale. Et la joie de vivre. Et alors que vous êtes petite fortune, vous devenez la tête du dragon. On ne peut pas être mieux. Waouh. Hein? Et là, c'est formidable parce que vos amis de soutien, vous en trouvez d'autres. Hein? Et les choses vont arriver. Pour l'instant, vous êtes sur une route et vous allez acquérir. Alors je prends mon livre pour être sûre de ce que je dis. Je prends Géomancie, la terre vous parle. Je cherche pourquoi j'ai à mission, renouveau, parce qu'il y a route et acquisition. On va regarder. Je prends perte. Voilà, on va le trouver très facilement. Parce que le juge ne peut être qu'un juge qui perd. Hein. Si j'avais trouvé 5 chiffres, je me serais un petit peu planté quelque part, mais j'aurais rectifié. Alors, route et acquisition, je cherche. Vous voyez, regardez tout ça. Vous avez mon livre. Oui. On va le lire maintenant. Oui. Alors, où es-tu ? Après en avoir douté, les collaborateurs vont mettre de l'heure et s'investissent dans le travail, l'affaire, l'entreprise. Vous avez des dépenses, espoir non déçu si vous avez, si vous attendez le retour de quelqu'un, d'employé de qualité ou d'autre chose. Voilà ce qui est dans votre thème. C'est magnifique. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est savoir pourquoi le juge suprême il dit conjonction. C'est-à-dire que vous allez faire autre chose et que vous allez le faire en commençant par la perte et en rejoignant votre personne du début qui est petite fortune. Donc je cherche conjonction. Voilà, conjonction, perte et petite fortune. Voilà. Possibilité d'union mariage, accord divers obtenu,
travail reconnu, activité soutenue, courage, filière de sécurité, victoire, changement de poste de travail, promotion. C'est ce qui vous est dévolu. Bien. Voilà. Vous allez dire bientôt, je suis pas contre parce que la voie du point passe. Vous voyez, j'ai un point ici, j'en ai un là. Pas encore sur celui-là, c'est parce que c'est celui-là l'important, puisque c'est la question. L'autre, on le connaît, comme ça, et ça grimpe. Je suis absolument ravie pour vous. Je vais même vous dire ce que ça veut dire, ça.